Tout vient du chi originel. De manière très simple, on peut comprendre ça dans le fait que, à un moment donné, la Terre elle-même n'était que de l'énergie en mouvement dans l'univers. Qui sont devenus des poussières d'univers, qui se sont rassemblés pour donner des bouts d'univers, qui ont formé des cailloux de plus en plus gros jusqu'à donner la Terre. Il a dû en falloir sacrément du temps pour que de poussière d'univers, on en arrive à une sphère grosse comme la Terre. On est le résultat de la sagesse de millions d'années et du travail long et patient de la vie à vouloir grandir, se développer, à se manifester sous des formes de plus en plus complexes, de plus en plus diverses. À un moment donné, tout était un dans l'univers. Et cette unité ne s'est jamais perdue. Parce que ce qui est vivant à l'intérieur de vous comme à l'intérieur de moi, c'est toujours la vie elle-même. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas votre vie, même si on peut le dire de manière rhétorique, pour utiliser des mots simples, mais votre vie, ma vie, la vie des fourmis, la vie des arbres, la vie des oiseaux, la vie du docteur Pang et du professeur Wei, la vie d'un condamné à mort, la vie d'un enfant, la vie d'un poisson, la vie d'un poulpe, la vie sur Saturne et sur Jupiter, c'est toujours la vie. Il ne peut pas y avoir de rupture. Parce que le grand champ de chi, le grand champ d'énergie et d'espace nous relie en permanence sans rupture. De la même façon dont le ciel, si bleu, si beau, est présent très haut dans le ciel, comme il est présent tout autour de nous dans notre maison. D'avoir fermé les volets et les portes n'empêche pas le ciel d'être autour de nous. Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que nous respirerions si ce n'est pas le ciel ? De fermer notre maison n'a pas suffi à laisser le ciel à l'extérieur. Dans chaque tiroir, chaque placard de notre maison, l'espace vide, le volume du placard ou du tiroir, c'est le volume du ciel à l'intérieur. Et le ciel autour de la terre est le même ciel sur tous les pays du monde, dans toutes les maisons du monde. C'est ce même ciel qui graduellement s'évanouit dans l'univers, s'efface pour devenir l'espace. Il ne peut pas y avoir de différence nette entre ce qui est le ciel de la Terre
et ce qui est l'espace qui entoure la Terre. C'est un même dégradé, un même nuancé qui, de l'univers, conduit jusqu'au ciel, jusque dans nos villes, jusque dans nos maisons, jusque dans nos tiroirs et nos placards. C'est toujours le même espace, le même ciel qui se nuance jusqu'à arriver jusque dans nos vies quotidiennes et qui s'ouvre pour aller dans la vie quotidienne de tous les êtres. Le ciel, nous le respirons tous, les arbres, les animaux, tous les gens. Et ce ciel s'ouvre graduellement, tranquillement, dans l'univers, pour toucher le soleil et toutes les planètes, et aller jusqu'à l'infini de la galaxie, des amas galactiques, des super amas, et continuer jusque dans le fond de l'univers. Tout autour de nous, c'est déjà le fond de l'univers, puisqu'il n'y a pas de rupture. Fermez les yeux. À l'intérieur de nous, l'espace est présent aussi. Il y a de la place et du volume. Et c'est ce même ciel que nous respirons à chaque instant, qui pénètre les pores de notre peau à chaque instant, mais qui, de manière beaucoup plus essentielle, c'est ce même espace vide qui nous constitue. Nous sommes presque entièrement vides. C'est une réalité dont nous faisons l'expérience dans ce moment. Un sentiment de volume et de profondeur qui n'est pas uniquement physique, mais qui transcende et dépasse ce qu'est le corps matériel, pour ouvrir à la dimension spacieuse de la réalité du chi du corps, de l'espace du corps. La conscience restant à l'intérieur se détend et se purifie et arrive à percevoir mieux le fait que le corps est vide, un vide de plus en plus fin, de plus en plus profond. C'est comme lorsque l'on est dans une pièce où on a éteint la lumière, et au début on ne voit rien, puis progressivement nos yeux s'habituent et l'on commence à voir qu'il y a toujours une certaine clarté. De même, en allant à l'intérieur, il semble qu'il n'y a rien de particulier et progressivement notre vision s'habitue. Et le vide est perçu plus finement, plus clairement, de manière plus pénétrante, notre regard, notre ressenti et notre écoute pénètrent des couches plus fines, des espaces plus fins à l'intérieur de nous. Et l'on peut se détendre à l'intérieur. L'intérieur de nous, c'est la maison. C'est notre foyer. Le corps, c'est notre conscience qui a pris forme. Et le regard peut se retourner vers la conscience elle-même pour observer celui qui observe, écouter celui qui écoute,
ressentir celui qui ressent. Je dis celui comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. C'est une formule pour permettre de s'ouvrir au fait qu'à l'intérieur de nous, une partie de nous-mêmes est sans cesse en train de recevoir ce que nous voyons, écoutons, ressentons. Cette partie toujours présente et toujours consciente, lorsque l'on l'observe, c'est la pratique de Ming Jue. C'est comme ça que commence la pratique de Ming Jue. Observer la partie de nous qui observe. Écouter la partie de nous qui écoute. Ressentir la partie de nous qui ressent. Cela amène le chi et la conscience à pénétrer bien plus profondément au-delà de la conscience verbale, intellectuelle, pour pénétrer les profondeurs de la vie de la conscience, de la vie de l'inconscient. Le chi devient de plus en plus clair et abondant dans la conscience et pénètre de plus en plus profondément, ramenant du mouvement dans des couches de plus en plus profondes qui se remettent à circuler librement. Les blocages dans l'information disparaissent, les blocages dans le chi disparaissent, et naturellement, les blocages dans le sang disparaissent. Les fonctions de la conscience sont fortifiées. Et des capacités dormantes se mettent en éveil. Notre conscience est en train de s'éveiller. C'est une porte ouverte pour éveiller complètement la conscience jusque dans sa réalité la plus profonde. La conscience est vide comme l'espace de l'univers, spacieuse et ouverte. La conscience ne peut être soumise à aucune tension parce qu'elle est le pur espace. Elle ne peut être limitée par rien, elle s'ouvre dans l'univers, librement. Qu'est-ce qui pourrait enfermer l'espace? Qu'est-ce qui pourrait le contenir ou le contraindre? Notre maison, les tiroirs et les placards n'ont jamais pu contraindre le ciel bleu, qui naturellement se laisse prendre à l'intérieur du placard, des tiroirs, de la maison, mais reste toujours uni, entier. De la même manière, le grand champ de conscience humain est un, comme un grand ciel conscient. Et, pour ainsi dire, à l'intérieur de nous, notre conscience et comme le ciel qui est à l'intérieur de notre maison. Le ciel grand, bleu et vaste est infini jusque dans le fond de l'univers. Mais dans notre maison, ce ciel, c'est juste notre maison. C'est notre champ de chi et d'information. De même, le champ de conscience est vaste et immense, s'ouvre dans tout l'univers,
C'est le champ de la conscience humaine. Et notre conscience est l'expression individuelle de la totalité du champ de conscience. C'est le champ de conscience qui a pris forme pour donner un être qui se pense unique et qui est l'expression de tout le champ de conscience qui est apparu sous une seule forme. Détendez-vous, souriez. Notre conscience et le champ de conscience mondiale, c'est la même chose. C'est le même flot d'informations, la même réalité, le même ciel, le même espace. Comme l'espace à l'intérieur de notre maison est le même que l'espace du ciel, que l'espace de l'univers. Notre conscience est la même que tout le champ de conscience qui s'ouvre dans l'univers. Ce champ de conscience a un centre. C'est comme un soleil qui, depuis un centre lumineux, illumine tout l'univers et toutes les planètes. De la même manière, notre conscience a un centre lumineux qui illumine tout le champ de chi, tout le champ de conscience. Ce centre est à l'intérieur de la tête, au centre du cerveau. C'est comme une étoile qui, depuis le centre, illumine partout. C'est le palais de Shenji. Nous allons doucement ensemble dire Shenji, Shen, comme jeune, mais avec un che, Shen, ji, comme la lettre. Et on le dit comme ça. Shenji. En observant la vibration à l'intérieur de la tête et en se détendant, souriant, inspirez, shanti. Après chaque Shenji, écoutez, observez, ressentez l'expérience de Shenji. Shenji. Shenji.
Détendez-vous, souriez, prenez le temps de vivre l'expérience de Shenji, de la ressentir, de l'observer, de l'écouter clairement. Alors que le centre de la tête devient de plus en plus clair, le chi et les informations de plus en plus abondantes. Progressivement, c'est tout l'espace de la tête qui s'éclaircit et se connecte avec le palais de Shenji. Toutes les cellules nerveuses cérébrales vibrent avec le centre de la tête. Tout l'espace à l'intérieur de la tête s'éclaire, devient lumineux. Se vit. Observez l'espace à l'intérieur de la tête, la conscience pure. Purifie naturellement l'espace à l'intérieur. Tous les blocages dans la formation se relâchent, s'ouvrent. La conscience devient pure comme l'espace de l'univers. S'ouvre. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes la conscience qui s'ouvre dans l'univers. La conscience est plus vaste que ce corps. Le corps apparaît dans la conscience, dans Mingjue. Toutes les sensations physiques sont des sensations de qi. Le corps de qi apparaît dans Mingjue. Nous ne sommes pas dans le corps, c'est le corps qui est en nous. Et tout le corps de qi s'ouvre dans les grands espaces de l'univers, pur, vide et silencieux, infini. Prenez une balle de chi devant vous. Avec le sourire, détendez-vous, tous les blocages s'ouvrent, tout se libère, les blocages de l'information s'ouvrent, du chi s'ouvre, du sang s'ouvre, tout circule librement, fermez. Kong kong tan tan, wang wang hu hu.
Sentez l'espace, écoutez le vide, le silence, observez le vide. La conscience et l'espace s'unissent et deviennent un. Souriez, ayez un bon cœur. Avec tous les êtres que vous aimez. Laissez le cœur s'ouvrir pour toucher spontanément tous les êtres que vous aimez. Avec tous les êtres qui vous aiment. Depuis le début, depuis le ventre de votre mère, tous les êtres qui vous aiment et vous ont aimé. Tous les êtres qui nous aimeront. Tout cet amour revient profondément dans le palais de Mi'kmaq. Dans toute la zone à l'arrière du Dantian inférieur, tout le chi. Toutes les informations, l'amour s'accumulent. Et naturellement, la conscience est nourrie. Mingjue est nourrie, devient plus clair, plus pur, plus fin. Avec tous les êtres d'amour, de douceur et de tendresse, avec tous les enfants, tous les cœurs purs des animaux, toutes les beautés de l'humanité, de la nature, tous les enfants nouveau-nés d'aujourd'hui. Nous les accueillons dans notre grand champ de Mingjue et d'amour.
avec tous les parents heureux. Fermez Ouvrez-vous complètement pour recevoir l'amour. Soyez généreux, acceptez de recevoir. Acceptez que l'univers vous donne tout ce dont vous avez besoin pour être en équilibre, en harmonie. N'essayez pas de le faire par vous-même. Acceptez l'aide de l'univers, de la vie elle-même. Ouvrez-vous inconditionnellement à la vie. Et laissez rayonner la vie au travers nous. Laissez tout ce que nous venons de recevoir rayonner et être donné à tous les êtres, tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui ont besoin d'amour et de conscience. Notre grand champ de Mingjue et d'amour les nourrit, les soutient, les aide et les aime. Avec tout le champ de pure information, pur chi de l'univers. Acceptez de recevoir la même chose que tous les êtres. Tout l'amour, toutes les informations dont nous avons besoin pour être parfaitement équilibrés, pour résoudre toutes les tensions, tous les blocages, toutes les inquiétudes, toutes les idées. Tout est disponible maintenant. Ouvrez-vous. Soyez généreux. À l'intérieur de nous, nous avons la responsabilité de millions de formes de vie qui ont besoin de nous pour être heureuses. Des milliards de cellules et de petits organismes vivants qui veulent le bonheur, la joie et l'épanouissement. Ils dépendent de nous. Laissez la vie et le champ de chi pur, le champ de Mingjue pur rayonner au travers nous pour aider toute l'humanité, tous les êtres, tout l'univers. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est notre animalité, c'est notre nature, notre terre. L'univers, c'est notre grand-mère, la terre, notre maman. Et recevez, depuis le fond du cœur, le fond des poumons, du foie, de la vésicule biliaire, pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, de la vessie et du système reproducteur, du fond des moelles, des os, du système nerveux, du système sanguin, des muscles, les tendons, les ligaments, de la peau,
Puis le fond de notre être, le fond de la conscience. Ming Chui reçoit toutes ces belles informations. Tout l'amour de l'univers pénètre chaque cellule, chaque espace. Il n'y a pas à en être digne, il n'y a pas besoin de le mériter. Nous sommes la vie. Le reste, c'est des idées qui sont compliquées. Abandonnez-les. Allez vers la vie, pas vers les idées. Oui. Et toute la vie rayonne au travers de nous, toute la conscience Ming Jue rayonne au travers de nous. Donnez tout, ne gardez rien. Et tout revient, purifié par l'univers, purifié par l'amour de la vie, revient plus abondant encore, plus profond, plus pur, plus vivant, plus fin. Pénètre partout et équilibre tous les espaces, toute la conscience, le chi. Simplement ouvrez-vous pour recevoir. Arrêtez de vouloir résoudre les problèmes par vous-même. Et allez là où il n'y a pas de problème. Et où la vie peut tout résoudre. Donnez. Donnez. Tout ce dont vous avez besoin, donnez-le. La balle de chi monte doucement au niveau du palais de Runyuan, en haut de l'abdomen. Ne vous préoccupez pas de l'emplacement exact, juste le haut de l'abdomen. Et donnez, donnez tout le meilleur, donnez tout l'amour. Donnez tout ce que vous voulez garder, tout ce qui est important, tout ce à quoi vous vous accrochez, donnez-le. Et nous n'avons rien perdu. La vie nous rend tout purifié, clarifié, illuminé. Nous avons encore plus qu'avant de donner. Et nous pouvons donner encore plus. Donnez, donnez, donnez tout, tout va revenir. Fermez.
plus vous vous ouvrez, plus toutes les informations, tout l'amour et le chi revient pour équilibrer tous les aspects, toutes les dimensions de notre être s'équilibrent et s'harmonisent. Oui. Nous sommes la vie qui aide la vie. Nous avons accès à la conscience et à l'amour de manière très fine, pure, et nous en faisons profiter tous les êtres. Nous sommes comme une fontaine de vie pour des milliers d'êtres assoiffés. Nous sommes comme un soleil pour des planètes où toutes les plantes, tous les êtres veulent grandir. Nous sommes avec tous les grands êtres de compassion, tous les grands êtres de sagesse, tous les maîtres, tous ces êtres qui aiment tellement l'humanité, qui s'aiment tellement eux-mêmes, qui se sentent tellement riches, tellement comblés par la vie, qu'ils veulent simplement aider, aimer et partager ce qu'ils ont. Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, tout s'ouvre. Tout ce que vous avez besoin, donnez-le. Tout ce que vous voulez garder, donnez-le. Tout ce qui vous sépare, donnez-le. Toutes les pensées et les émotions qui vous encombrent, donnez-les. Poumons, le cœur s'ouvre, les intestins, la vessie, le système reproducteur, tout le corps de Qi et dans Ming Jie, tout le champ de Ming Jie et d'amour apparaît à l'intérieur de Ming Jie. Nous sommes la lumière de l'amour universel qui illumine l'espace infini. Pour construire un monde beau et harmonieux pour tous les êtres. C'est Ming Jue qui écoute vos pensées et ressent vos émotions. Soulevez la balle de Qi jusque devant la poitrine.
Aimer, respecter toutes les formes de vie. Ayez de la gratitude pour la vie qui vous permet d'être là. Jusque dans le fond du cœur, jusque dans Mingjue, là où tout apparaît. Nous sommes Mingjue. Tous les êtres. Pour nous. Pour soi. L'amour pour nous, l'amour pour tous, c'est la même chose. Notre bien-être, c'est le bien-être de tous les êtres. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une idée d'unité. C'est la réalité de l'amour. Champ de conscience et d'amour de Mingjue qui nous unit. Expérimentez. Vous pouvez faire l'expérience de la vie. De toutes les bonnes informations, de tout le chi qui revient à l'intérieur de vous. C'est le chi de toute la vie, c'est le chi de tous les êtres qui est en train de nous nourrir, de nous transformer. C'est le chi de tout l'univers, n'est-ce pas? Ce chi s'ouvre pour tous les êtres et tout l'univers. Il n'a été nous que pendant un instant, et déjà il s'ouvre pour de nourrir toute la vie, tous les êtres, tout l'univers. Mais il est rempli de Mingjue, d'amour et de toutes nos belles intentions. Il a été purifié. Et purifié par l'univers et tous les êtres, il revient à nous. Ouvrez-vous pour recevoir. Ne cherchez pas comment recevoir, ni pourquoi recevoir. Juste ouvrez-vous pour recevoir. Fermez.
Tout ce qui est lourd, tout ce qui est dur, tout ce qui encombre, laissez-le tomber. La balle de chi s'élève, passe au travers de l'univers du Tantien supérieur, s'élève, s'élève dans la galaxie, dans les univers, s'élève. Le chi pur, originel, passe au travers tout Mingjue, de tout le corps de chi, de tous les êtres. Déverser le chi. Par la porte du ciel grande ouverte, dans le Tantien supérieur, lumineux, brillant, pur, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les gencives et les dents, lumineux, pur, dans l'univers de la gorge et du cou, lumineux, pur, tout circule librement. Dans les épaules et les bras, la poitrine, le tantien médian, lumineux, abondant, pur, les poumons, le cœur, lumineux, abondant, transparent. Le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'estomac, la rate, les reins, les intestins, la vessie et le système reproducteur lumineux, pur, brillant, transparent, les hanches, les sacroiliaques, le bassin, toute la colonne vertébrale, les cuisses, les genoux, mollets, chevilles, pieds, jusque profondément dans l'univers. Personne n'est né pour souffrir. La balle de chi s'élève travers l'univers des jambes, du tantien inférieur, médian, du cou et de la gorge, du tantien supérieur. Que dans l'univers, tout devient très pur. Merci beaucoup pour ce moment. À vous, à tous les êtres du champ de conscience et d'amour. Merci. À toutes les générations passées, à tous les maîtres, tous les disciples, tous les pratiquants comme nous. Merci. C'est grâce à vous si on peut pratiquer aujourd'hui. Et à tous les pratiquants et les maîtres futurs, merci de continuer la pratique. Pour éveiller l'humanité, pour évoluer ensemble, pour faire de notre terre une terre où la souffrance disparaîtra.
Déverser le chi. Travers de la porte du ciel, tu t'en tiennes supérieur, des yeux, du nez, des oreilles et la bouche, tout est si pur, plein de respect et de compassion, tout est si beau. Dans l'univers du cou et de la gorge, tout est beau et pur. Dans le tantien médian, les épaules, les bras, les poumons, le cœur, le foie, la vésicule biliaire, les reins, le pancréas, l'estomac, la rate, les intestins, la vessie et le système reproducteur, toute la colonne vertébrale, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds, jusque dans l'univers. Tout est très pur, silencieux et infini, transparent et clair, lumineux. La balle de chi s'élève pour revenir au niveau de l'abdomen, puis se condense dans le tantien inférieur jusqu'à l'arrière, dans le palais de Mingmen. Nourrir le chi, la conscience et l'amour. Le chi circule librement et est abondant. Doucement, séparez vos mains. Tous les êtres bénéficient autant que nous, que toute la vie bénéficie autant que nous. Doucement, bougez pour vous sentir bien. Nous sommes pleins d'un chi abondant, Ming Jue puissant. La conscience Ming Jue passe au travers de tout le corps de Qi, de tout le champ de conscience et d'amour, tout l'univers. Nous sommes en lien avec l'univers et avec tous les êtres. Nous sommes ensemble, nous ne sommes plus seuls.
Tout notre corps de chi est abondant, plein de vitalité. Nous sommes en très bonne santé. Notre cœur est aimant et beau, et nous sommes plus beaux. Nous sommes plus jeunes, et notre vie a plus de sens. Nous sommes plus humains. Merci beaucoup pour cette pratique, à vous, à nous, comme à tous les êtres. Comme pour dire je t'aime, disons Haola. 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 Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont avec le professeur Wei, on se retrouve à 13h30. Pour tous les autres, on se retrouve demain à la même heure, dans la même conscience.